toute cette semaine, vous savez, on vous présente des dernières idées cadeaux. Si vous n'avez pas encore acheté, là, il faut se presser là quand même. On a jusqu'à quand? Et ce sont des idées made in France. Bah, ça dépend si tu es à côté de la boutique ou pas, si tu peux commander rapidement sur Internet. Toi, est-ce que ça va être rapide, ça, à ton avis? Bien sûr que c'est très rapide. C'est une start-up parisienne qui s'appelle petitcube.com. C'est une espèce de pochette surprise, mais modernisée. Ah, oui. Vous allez sur le site. Vous commandez votre petit cube, comme ça. Il y a différents motifs, il y a plein de motifs différents, vous commandez. Vous commandez la surprise qu'il y a à l'intérieur. Vous avez le choix entre des dizaines de surprises. Petite surprise, petit pot de confiture, bijoux. C'est ça, c'est le petit chocolat. Des petites décorations. Des petites attentions touchantes, comme ça, qui sont bien agréables au mois de Noël. Puis après, vous choisissez quoi d'autre? Des photos. Ah. Ça, c'est original. Des photos de qui vous voulez, de la personne de vous. Pourquoi? Car elles vont s'inscrire à l'intérieur de la pochette. Voyez comme c'est original ce truc-là. Ouais, un petit mot. Et elles sont détachables en plus. On peut l'utiliser après ces photos-là pour les montrer à tous ses amis. Ah, c'est bien. Un petit mot, bien évidemment, sur Internet. Pour souhaiter de bonnes fêtes, etc. C'est merveilleux. C'est marrant. Maya, ceci, c'est ta pochette. Oh, merci. J'ai dépensé sans compter. Je peux vous donner les tarifs. Tu parles de celui que tu as totalement détruit, là. Ça, c'est ton cadeau, c'est comme ça. Attends, mais là, ton cadeau. Attendez. C'est charmant. Ah, c'est regardez. Ah, merci. C'est des petites décorations de Noël. Ah, si, c'est sympa. Alors, je vous donne tout de même les tarifs. Livraison 48 heures. Hein. C'est très rapide. Hein. Selon la surprise, bien sûr. Cette bougie que tu as, toi, c'est 24,90 €. TTC, ça arrive chez la personne, hein, bien évidemment. J'ai un couteau suisse. Un couteau suisse, toi. Ça coûte 32,90 €, un petit couteau suisse extraordinaire. C'est sympa. Ah oui. Et puis des décos pour les sapins de Noël. Eh bien, c'est ce que tu as, Maya. Ouais, toi. Et ça coûte 37,90 €. Ah, c'est plus cher. Voilà, c'est des dons. Tu ne t'es pas moqué de moi. Non, on ne moque pas de toi. C'est très joli, c'est charmant. Ouais. Allez, Laetitia, une autre petite idée cadeau, là. Oui, alors plus musicale. Plus musicale. Moi, j'ai une boîte à musique qui vient d'Aix-en-Provence. C'est une société qui est à Aix-en-Provence qui s'appelle Morphée. Alors pourquoi Morphée? Tout simplement parce qu'elle aide à s'endormir ou à se relaxer. Alors c'est un objet nomade, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout connecté et c'est bien pour se déconnecter, n'est-ce pas? Hein, il faut juste le chercher avec une batterie. Et alors, vous avez différents sons. Si vous aimez par exemple des sons pour vous endormir, des cuicuis, enfin des oiseaux, ou alors des ronronnements. Alors parce que ils ont sélectionné des sons qui ont été sélectionnés par des professionnels du sommeil. Donc et ils sont particulièrement apaisants. Et c'est particulièrement apaisant. Eh oui. Il y a différentes fonctions selon ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez juste vous relaxer, il y a une voix qui vous demande de vous relaxer, un petit peu comme en sophrologie ou en méditation. D'accord. Si vous voulez faire une sieste, ça je pense à quelqu'un de l'équipe qui aime bien faire les siestes. Jean-Sébastien, pour ne pas le nommer. Vous avez une fonction sieste où vous avez 4 minutes de relaxation avec un bruit, après du silence. Et après, ça vous réveille avec des bruits de d'oiseaux. Tu peux nous faire écouter un Alors, coup je vais vous faire écouter, si je sais. Hop, je vais d'abord l'allumer. Voilà. Alors, par exemple. Ça, c'est l'oiseau. L'oiseau. Là, c'est... Ah, génial. Voilà, ça c'est l'option sieste. Donc, vous avez ça pendant 4 minutes. Et après, voilà. 29,90 €. Ça se recharge pas mal, hein. Ou c'est quoi ça? Voilà, je vais vous mettre un autre. Alors, ça se recharge juste avec une batterie une fois par semaine. Hein. D'accord. D'accord. Ah, c'est l'oiseau. Non, c'est mais génial. Ça, je ne sais pas si vous allez. Voilà. Ah oui, non, ça coûte 79 € quand même. 79 €. Ça, c'est un pivot. Ah, c'est le feu de cheminée. C'est le feu de cheminée. C'est le bois qui craque dans la cheminée, qui crépite dans la cheminée. Eh bien, voilà, vous choisissez justement, vous avez la durée, vous avez 8 séquences pour chaque thème. Voilà. Je suis ultra fan. Et allez, dernière petite, peut-être pour les enfants, c'est dernière bien, petite c'est idée pour Noël, regardez. Maya, pour ceux qui ont un problème. Non, je m'embarque pas, mais j'adore. Pour ceux qui ont un problème comme moi de barbe et qui doivent se tailler la barbe régulièrement. Oui, parce que c'est tendance, la barbe. Problème. De il y en a plus en plus. Et voilà. Et le problème, bah, tu connais bien ça. Enfin, c'est pas toi directement. Je suis témoin du lavabo qui est plein de... Du lavabo qui est rempli de poils. Et alors, il y a des petits malins de Plérin en Côte d'Armor. Une fois de plus, les Bretons ont des idées. Attention, ça va faire du bruit pour les micros. Mais regardez, c'est assez génial. C'est tout simple. Il suffisait d'y penser. C'est un bavoir que vous accrochez donc à votre miroir, comme ça. Hop. Et là, vous pouvez vous tailler la barbe tranquillement, sans en mettre partout, parce que tous les poils vont tomber à l'intérieur du bavoir. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est génial. Franchement, ouais, on va y penser, 29 €. Ah oui. Ça,
ça, c'est un bon cadeau. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Le bavoir, ça, je pense qu'il y a plein de messieurs qui vont avoir ça à Noël. Ouais, ah oui, franchement, les poils dans le lavabo, c'est agaçant. Hein. Tu sais, moi, je suis obligé de le faire dans la baignoire avec un petit miroir comme ça, sans eau. Hein. Je suis tout nu dans ma baignoire en train de faire mon truc. C'est pas pratique, c'est pas pratique. T'as des photos, non? Bien sûr. On va les, non, on va les envoyer. Envoyer les photos. C'est intéressant comme pratique. Comme... Et ben voilà, ça s'appelle le bavoir. Livraison, là aussi, sous 48 heures. Okay, donc, dépêchez-vous.